suis ravie de t'avoir à dîner ce soir, Liz. Ah oui, avant que j'oublie, essaie de ne pas arriver en retard, s'il te plaît. Très bien, je serai la pile à l'heure. Mais qu'y a-t-il de si important ce soir? Tu me fais une surprise? Non, mais si tu es en retard, il pourrait ne plus rien y avoir à manger. Même si elle est à l'heure, je promets rien. Je me mets à la cuisine d'ici peu. Je compte préparer une dinde rôtie. Hein? Une dinde rôtie? J'ai gagné une dinde à la tombola. On doit me livrer d'une minute à l'autre. Je mets une option sur les cuisses et sur le reste aussi, d'ailleurs. Super programme. J'espère que Garfield m'en laissera un peu. Elise dit qu'il faut que tu lui laisses de quoi manger. Hein? La faim ne se raisonne pas. Je lui laisserai les os. On dirait que mon dindon arrive. Dindon, 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 dindon. En plus, il sonne à la porte. Canard Buckel, maison Gilbert, volailler de père en fils. J'ai un dindon pour vous. Merci. Hey, mais ce dindon est vivant. Monsieur Gilbert, le dindon, il est vivant. Et alors? Eh ben, c'est-à-dire que je peux pas le retirer comme ça. En fait... Vous avez gagné un dindon, n'est-ce pas? Eh bien, le voilà, votre dindon. Si vous ne savez pas quoi en faire, ça ne me regarde pas. Oh, un dindon au dîner. Je vais avoir du dindon au dîner. Un délicieux dindon rôti au dîner. Miam, 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 miam. Bien sûr que t'en auras toi aussi. Je te garderai le bec. Ce soir, nous mangerons des lasagnes. Des lasagnes au dîner? J'ai des lasagnes au dîner, de délicieuses lasagnes au four. Des lasagnes? On mange du dindon. Si tu veux du dindon rôti, rien de plus facile. Mets-le toi-même au four. Au moins, c'est pas du surgelé. C'est pas lui qui est au menu ce soir. Désolé, Garfield. J'ai pas le cœur de faire cuire ce dindon et je suis sûr que toi non plus. Je déteste quand John a raison. Heureusement pour moi, ça arrive pas très souvent. Je vais faire une sieste. John avoir raison, voilà autre chose. Mais il a raison, je pourrais pas faire du mal à cet oiseau. Je crois que j'ai parlé trop vite. D'accord, monsieur Dindon, s'il vous plaît. Désolé de vous déranger, mais je voulais juste vous demander une toute petite faveur, si vous le permettez. Eh bien, comment dire, j'avais espéré que vous pourriez... comment tourner ça de manière subtile... Sortir de mon lit! Un dindon dans mon lit. Ah! Alors là, on aura tout vu. Et puis quoi encore? Alors ça, un dindon dans ma gamelle. Du balai, va-t'en, à la bouche! Ah, je crois qu'il a compris la leçon. Il devrait rester à sa place. C'est mon émission préférée, Garfield. Moi aussi. Elle est sponsorisée par un marchand de volailles. J'en connais un qui mériterait vraiment de penser à la casserole. Bon, je vais juste le faire sortir. Dis donc, toi, si tu aimes tant chanter, eh bien, tu vas le faire dehors. On t'a assez entendu. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Dindon.
tu vas trop loin, je vais m'occuper de ton cas. Mais où est-il? Passez! Attends, attends, je crois que... Je le vois, ça y est, je l'ai, je le tiens, Dindon. Je t'ai attrapé par le cou, je suis pas prêt de te lâcher. Désolé. Ne me dis pas que toi aussi t'es allergique aux plumes. Ce dindon de malheur va tous nous rendre chèvres. Je vais l'attraper et le rapporter à Monsieur Gilbert. Oh, ça je demande à voir. Vous pensez que c'est facile d'attraper un dindon? Eh ben, pas du tout. Je crois qu'il est temps de laisser faire les spécialistes. Direction ma réserve spéciale. Maintenant, on va employer les grands moyens. J'ai tout ce qu'il faut ici. Costume de pirate, tenue de cow-boy, deux chats tigrés. Ouais, cela me sert pas vraiment souvent. Allez, zoom. Ah, un costume de dindon. À part quelques miettes et des taches de gras, il est parfait. Salut, camarade dindon. John, t'es prêt? Je l'ai. T'en fais pas, Garfield. Je le rapporte à Monsieur Gilbert. Monsieur Gilbert, j'aimerais vous rendre ceci. T'étais à deux doigts de l'avoir. Désolé, c'est pas un dindon, mais un chat déguisé en dindon. Je reviens. Je voudrais de la dinde, s'il vous plaît. Celle-ci coupée en quatre sans les poils. Cette fois, j'ai le bon dindon. Viens avec moi, Audi. Il est mignon, bien sûr, mais vraiment, nous ne pouvons pas le garder chez nous. D'accord, je vous le reprends. Vous lui trouverez un foyer accueillant. Un foyer? Ce n'est pas un refuge ici, vous savez. Vous n'allez quand même pas... C'est pourtant ce qu'on fait ici, monsieur. Et le gros orange, vous me le laissez aussi? Vu son poids, c'est une affaire. Ça va, je plaisante, je prends l'autre. Je me sens coupable. Nous ne pouvons quand même pas... Eh, les gars, pas de panique, je m'en occupe, parole de dindon. De chat. Reste ici, je vais affûter mes couteaux. Je vais te faire sortir de là. Sens-moi ça. À tes souhaits. Allez, c'est bon. Au travail, je vais... Pourquoi tu éternues? Tu es malade? Réponds oui. Mais si tu as la grippe,
Tu vas infecter toute la boutique. Attendez, revenez. Reprenez ce dindon. Mais pourtant vous... Vous l'avez gagné, il est à vous. Fichez le camp d'ici tout de suite. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? John, on a bien dit qu'on aurait un dindon au dîner ce soir. Et ce sera le cas, nous aurons ce dindon au dîner ce soir. Je suis si impatiente depuis que John m'a dit que nous avions un dindon pour dîner. Et voilà les amis, voilà ce que vous attendiez tous. Ma spécialité de lasagne aux épinards. Tu crois vraiment que le zoo voudra l'accueillir? Mais oui, les enfants vont l'adorer. Et maintenant que nous avons eu le dindon à dîner, pourquoi ne pas l'emmener au cinéma? Oh.